Bonsoir Séverine, bonsoir Bonsoir à toutes deux. Emmanuel. Bonsoir. Voilà, donc Séverine, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi dans Potin Session. Enchanté, Emmanuel. Et puis, ben, nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute. D'accord. Alors, au niveau santé, j'ai des soucis, des vertiges. Donc, en fait, j'ai fait plusieurs kinés. Donc, on m'a traité pour Tu des. peux te décaler un peu sur ta gauche, s'il Oui. te plaît, qu'on te Ah, voit sur ma mieux. gauche. Ouais, Pardon. voilà, nickel. Donc, du coup, j'ai des. On m'avait traité pour un syndrome des Ménières. Et en fait, au bout d'un certain temps, on m'a expliqué que mes vertiges, on va dire entre guillemets, viendraient en fait de mes muscles oculaires qui seraient Alors, inflammés. tu me Donc. dis simplement que tu as des vertiges. Je Voilà, veux pas vertige, connaître les pardon. explications, d'accord? D'accord. Donc, tu as des Donc, vertiges. Depuis longtemps? voilà. Ça doit faire 8 ans Ah que je oui, traîne ça. d'accord. Et Oui, ça fait un c'est moment tout que le je traîne. temps ou comment ça se passe? Bah, comme au début, on m'a traité pour un symptôme qui en fait n'était pas vraiment celui-là, là, je vais chez un orthoptiste, en gros, on va dire. Mais ça revient tout le temps. Et c'était quoi le symptôme pour lequel tu étais traité au départ? Juste les syndromes de Ménière, donc le problème de mon oreille. Donc du coup, comme on ne traitait pas mes yeux, les vertiges revenaient tout le temps. Le syndrome de Ménière? De Ménière. Ah, de En fait, c'est les Ménière. yeux qui ouvrent par rapport à l'oreille interne. Ah, d'accord. C'est un peu compliqué. T'as les yeux Bah, qui... en fait, à cause des cristaux de l'oreille, ça se met à tourner d'un coup. Ah oui, les Alors, yeux sont reliés aux oreilles. Ah, d'accord. en fait, c'est le haut du corps qui agit sur le bas du corps. Ça ne peut pas être l'oreille qui agit sur les yeux. Ça ne peut être que les yeux qui agissent sur l'oreille. Je répète. Bon, donc c'est les oreilles qui agissent sur les yeux, puisque c'est les yeux qui tournent. Non, c'est mes yeux qui font mon syndrome de Ménière à l'oreille. D'accord. Je ne suis pas professionnelle. Hein. Très bien, très bien. Ok. Et là, tu peux encore le faire, les yeux qui... Non, j'ai pas envie, Non, hein, je vous rassure, j'ai pas très envie. C'est pas bien non, après. je te taquine. Ok. Donc, il y a longtemps que ça ne te fait plus, ça? Si, en fait, ça me le. J'ai été chez l'orthoptiste il y a un an et là, c'est en train de revenir. Petit à petit, je le sens, ça revient, ça revient, ça revient. D'accord. D'accord. Donc c'est à cause des cristaux dans les oreilles, alors c'est ça. De mes muscles oculaires gonflés qui font que ça me fait des vertiges de Ménière à cause des cristaux. Ah ouais, c'est un peu compliqué le truc. Ah, muscle. Bon, on verra bien. Bon, donc t'as les vertiges et t'as les yeux qui tournoient. Hein, c'est ça qu'on C'est dit. ça. C'est Voilà, ça, on Ben. verra bien. Allez, le côté scientifique médical. Alors, c'est pas notre truc. Quoi Non. d'autre? Ensuite, j'ai beaucoup de nodules dans la gorge. Module, oui. Oui. Ok. J'ai très 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 mal en bas du dos. En fait, je piétine beaucoup au travail. Donc, je peux faire jusqu'à 12 km à piétiner et marcher. Et c'est vrai que j'ai du mal après à marcher en fin de journée. J'ai même du mal à lever les jambes. Quand je me lève, on dirait une mémé. J'ai l'impression. Et bah, je ne sais pas. Et ça me fait des douleurs dans les jambes. Enfin, ça passe pas, ça empire. D'accord. Ok. Et j'ai des soucis au niveau alors du milieu du dos jusqu'aux vertèbres. J'ai tout le temps les vertèbres coincées. J'ai tout le temps des torticolis. J'arrive pas à me muscler le dos. En fait, dès que j'essaye de me muscler ou d'améliorer la chose, en fait, je me fais mal. Donc j'arrête. Hein. Ça sert à rien. Donc, ça te fait les torticolis, tu me dis? Torticolis, j'ai des vertèbres qui se coincent. Je me bloque toujours quelque chose dans le dos. Et du coup, j'ai mal au bras aussi. Enfin, tout est lié en fait. Ok. Ok. Très bien. Ensuite. Bah, niveau santé, ce sera tout. Hein? Ensuite, niveau vie, on va dire j'ai arrêté de fumer. Je suis contente. Sauf que bah, du coup, j'ai un petit peu moi aussi. Si je pouvais perdre un petit peu, si j'étais D'accord. encore, ce serait super. Il y a longtemps que tu as arrêté de fumer? Ça fait 1 an et demi. Et j'ai Ah oui. fumé pendant presque 24 ans. Alors. Ok, donc du coup tu grossis, d'accord? C'est ça. À cause du sucre, et justement, j'aimerais savoir si on pouvait m'enlever cette addiction au sucre. Addiction, sucre, Ouais. d'accord.
Et après, j'ai un souci, je m'éparpille. C'est-à-dire que je vais commencer à faire quelque chose, je sais pas, je vais dire une bêtise, par exemple, le code Sophia. On en a parlé il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas longtemps. Du coup, j'ai acheté le livre, j'ai commencé à lire, et après, bah, je ne sais pas, je passe à autre chose. Je Tu vais as dit voir. quel... Ah, le code Sophia, ah oui, d'accord. C'est ça, c'est ça. Et du coup, bah, je passe à autre chose, je commence autre chose, et après, bah, je m'arrête, je recommence autre chose. J'arrive pas à me poser, à faire quelque chose du début à la fin. Je m'éparpille, je j'arrive D'accord. pas. Tu finis jamais quoi? Non, j'arrive pas. Très bien. Et après, bah, c'est au niveau des rêves. J'ai fait, bah, alors, je fais plein de rêves bizarres, mais alors vraiment plein. Mais il y en a deux vraiment qui m'ont marqué. Un où j'étais en fait dans l'espace et en fait on voyait le rose derrière, c'était super joli. Et en fait, je me suis vue rentrer dans un vaisseau. Devant moi, il y avait, bah, je sais pas qui y avait. C'était juste des formes linéaires. Il y avait quelqu'un, mais je voyais juste des formes linéaires. Et alors? Ben, j'aimerais bien savoir si c'était dans l'astral ou si c'était vraiment un rêve ou pas, voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Ben, je me suis réveillée. Ah. D'accord. Ok. Très bien. Et c'est quoi le second rêve? Alors le rêve, le second rêve, c'est que j'allais au travail et en fait la Terre s'est mise à ascensionner et du coup j'ai été happée, on était plusieurs, à être happée par des vaisseaux avec des espèces de colonnes de lumière et on était aspirés. Je suis derrière bizarre. Ok. C'est tout pour moi. Bien. Alors, donc c'est au niveau de tes points, c'est tout, donc. Oui. Alors, les invités? Alors, les invités bah, vivants, du coup, j'ai mis mon mari, mon fils et ma famille en général. D'accord. Et mes amis en général aussi, du coup. Ami. Oui. Et après, pour les personnes décédées, alors c'était dur. Du coup, j'ai pris mon grand-père maternel, que je connais pas du tout. Mais en fait, je n'arrête pas d'y penser, je ne sais pas pourquoi. Ça me travaille. OK. Et ma grand-mère maternelle, du coup. Mère maternelle aussi. Bien. C'est bon pour toi alors? Oui. Eh bien, je te laisse couper le son et on y va. Allez. D'accord. Alors, maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence? 310. Parfait. Je te laisse augmenter. 28 900. 28 900. Parfait. Connecte-toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Donc je m'aligne sur toi. Oui. Bien. À présent, connecte-toi sur Séverine et dis-moi comment tu l'aperçois. Je l'aperçois dans une sorte de bulle. Il y a du bleu et du rose. Et c'est pailleté. Donc cette bulle englobe son espace énergétique, c'est-à-dire qu'elle est englobée dans cette bulle-là. Mais ce qui est assez étrange, c'est comme si cette bulle-là, avec ces couleurs-là, était là pour la récupérer et pour la cacher. Récupérer et cacher. Oui, c'est-à-dire que j'ai pas accès à. Elle a à l'intérieur son espace énergétique est à l'intérieur de cette bulle-là. Qui a créé cette bulle? Regarde d'où elle vient. C'est comme une barrière autour d'elle, une sorte D'accord. de barrière de protection, mais qui en même temps bah, empêche d'accéder à elle directement. Qui est-ce qui l'a créé cette bulle? Des êtres humanoïdes qui sont porteurs des mêmes couleurs.
À quoi ressemble-t-il? Ils sont humanoïdes, semi-transparents, et avec, ils portent en eux ces couleurs-là. Donc il y a du bleu, du rose, une sorte de mélange des deux dans une sorte de violet. Et c'est pailleté, mais c'est plutôt agréable à regarder. Sauf que c'est là, c'est omniprésent, ça n'est pas aussi léger que cela devrait l'être. C'est comme si ça donnait une apparence, mais que la nature ou l'essence ne correspond pas à l'apparence qui est montrée. Bien, alors tu vas lire leur essence, tu vas voir les vraies apparences. En arrière-plan, il y a des êtres transparents avec des longs bras, avec des ventouses. C'est comme des sortes de méduses, de poulpes ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc ils ont pris cette forme pour te tromper. Oui, c'est comme des caméléons, c'est-à-dire ils prennent la forme. C'est comme s'il venait prendre de l'information dans la conscience qui se trouve en face d'eux, et il se modèle, et il y a une sorte d'effet miroir. Ils prennent la forme que tu t'attends à voir, ou quelque chose comme ça. D'accord. Ce qui leur Et alors, permet, eux, de rester en arrière-plan. Leur corps, c'est une sorte de gelée gluante et transparente, c'est assez bizarre. oui, comme des méduses. Ouais, ça correspond bien. Et donc, cette bulle bleue et rose pailletée, qui englobe donc l'espace énergétique de Séverine, est-ce que c'est une de leurs créations ou ces couleurs correspondent à Séverine ou plutôt à certaines pensées, certaines croyances. C'est les deux. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'ils utilisent, elles portent en elles ces couleurs-là, mais c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus léger. Et eux prennent cette information pour l'expanser, la coloriser, un petit peu comme ces films anciens colorisés où la couleur n'est pas tout à fait naturelle. Donc, ils copient et ils amplifient l'information de base. Ok, donc à l'origine, la couleur naturelle de Séverine, on y trouve du bleu, du rose pailleté, c'est ça? C'est ça, mais beaucoup plus léger, beaucoup plus Voilà. pur. Qu'ils ont contre-typé et exagéré, quoi. C'est ça. Et ils ont créé cette sorte d'un, on va dire, de bulle qui vient l'englober complètement. Et qui empêche d'avoir accès à elle directement. Ça leur permet de la garder sous leur coupe. Est-ce qu'ils l'ont créée spécialement pour nous, pour cette séance, ou c'est une bulle qu'elle a depuis avec elle depuis un certain temps? Non, elle l'a toujours autour d'elle. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre alors si tu la continues à la regarder? Les couleurs de cette sorte de bulle tirent leur énergie, de son énergie à elle. Bien sûr. Elle est raccrochée par deux capteurs, donc un au niveau du chakra coronal et un au niveau du chakra racine. Donc ça crée une sorte de forme, un tore, une sorte de forme toroïdale. Donc ça Oui. tourne, mais c'est pas, c'est artificiel, c'est pas naturel. C'est comme si le passage d'énergie et le passage énergie est forcé et en déficit pour elle. Ok. Que vois-tu d'autre alors? Eux sont à la fois donc ces êtres-là, alors ils
ils se déplacent, ils apparaissent et ils disparaissent. Parce que comme des caméléons, ils se cachent derrière les fréquences de ces couleurs. Mais quand ils s'éloignent, on peut les apercevoir plus clairement. Ils sont, y a tout un groupe et ils sont principalement situés au-dessus d'elle, quelque chose comme 1,50 m au-dessus d'elle. Et il y a comme des fils qui partent, des fils énergétiques qui partent d'eux et qui vont vers elle, mais ça passe par le sommet de son crâne. Ça traverse littéralement par le chakra coronal, et ça passe par la glande pinéale. Et c'est comme une sorte de rayon, mais transparent, et qui poursuit sa route et qui va jusqu'en bas du thorax, jusqu'au chakra racine. Ce sont des sortes de... C'est comme si elle était une marionnette entre leurs mains, puisque avec ses fils, ils parviennent à diriger, à modeler, à modifier ses énergies, à en modifier la fréquence en tout cas. Ok, qu'est-ce que ça lui cause comme problème tout ça? Ça vient modifier ses perceptions sensorielles et extrasensorielles. Au niveau de la tête, ça crée une sorte de surtension. C'est ça, une sorte de surtension. Donc, au niveau du troisième œil aussi, il y a cette surtension. Donc, ça vient appuyer au niveau du troisième œil et au niveau des deux yeux. Ça vient appuyer aussi de chaque côté de la tête, au niveau des tempes et au niveau des oreilles. Ça vient appuyer là. C'est comme s'il y avait une planche énergétique de chaque côté qui vient appuyer donc de chaque côté pour la faire se maintenir immobile, pour que ce rayon-là passe plus facilement. C'est comme quand tu veux opérer quelqu'un et que tu le maintiens immobile pour qu'il ne bouge pas. Ça permet de travailler sur elle plus commodément. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que c'est en lien avec ces problèmes d'oreille et d'yeux? Oui, c'est l'élémental du corps qui réagit et qui a du mal à supporter ces interventions-là. D'accord. Et au niveau de son dos, tous ces problèmes de dos? Une sorte de fatigue au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation. C'est la même chose, c'est l'élémental du corps qui tente de repousser le rayonnement émis par ce rayon. C'est comme un rayon qui passe tout le long du dos et qui se déploie au niveau de chaque chakra. C'est horizontal, ça devient vertical, arrivant au niveau du chakra, ça redevient. Non, c'est vertical, horizontal, vertical, horizontal. D'ailleurs, ça devient horizontal au niveau de chaque chakra. Et ensuite, ça repart dans la verticalité pour descendre au niveau en dessous, etc. D'accord, Et donc ça ça, dérègle tous les chakras. c'est ça. Et ça augmente en puissance au fur et à mesure de la descente. C'est-à-dire qu'il y a une surpression au fur et à mesure que on descend vers le bas du dos, il y a une surpression énergétique. Ça lui cause quoi comme problème ça? Des douleurs, et aussi c'est comme si ça venait la tasser, et comme si on venait appuyer sur son bas du dos, sur ses hanches, c'est-à-dire que toute la partie basse du corps est plus dense que la partie haute. Elle est coupée en deux aussi au niveau du plexus solaire et énergétiquement parlant, avec une séparation avec la partie haute qui est beaucoup plus légère, la partie basse qui est beaucoup plus dense. Cette coupure-là au milieu et la gestion de cet état d'être, on va dire, comme coupé en deux. Ça se fait au niveau du plexus solaire, il y a une sorte d'horloge là, quelque chose comme ça.
Une sorte d'horloge au plexus. Oui, au niveau du plexus solaire. À quoi elle sert cette horloge? Une horloge, mais ça, c'est une sorte de cadran. Ça ressemble à une sorte de cadran. Qu'elle regarde sa fonction. Ça vient modifier les flux d'énergie dans son corps, dans sa physicalité. Ça a à voir avec le fait qu'elle prenne du poids. Oui, puisqu'elle ne maîtrise pas. Elle ne maîtrise pas ses modifications. C'est comme si elle était toujours, enfin, l'élémental de son corps physique est toujours en train de courir après quelque chose. Elle est toujours en recherche de stabilité. Vois-tu autre chose, hein? Alors là, c'est en dessous des pieds, en dessous des talons, mais quelque chose comme 30 cm en dessous de chaque talon. Il y a deux boules marron sombres qui agissent comme des aimants. Ouais, c'est ça, c'est des sortes d'aimants. Et qui à la fois servent à la, on va dire à la fixer au sol, ça crée une sorte d'ancrage artificiel, mais ça permet aussi de la suivre. Donc il y a une sorte, c'est couplé à une sorte de système GPS qui permet de la suivre. D'accord. Tu vois autre chose? Non, pour l'instant, non. Bien. Alors, depuis combien de temps ces entités sont avec elle là? C'était quand, la toute première fois? C'est depuis 15 incarnations qu'elle est suivie, étudiée même par ce type d'entité. D'accord. Elle Est-ce est qu'il y a eu comme des... leur relais dans la physicalité 3D. Est-ce qu'il y a eu des accords? Est-ce qu'il y a eu des consentements? Il y a comme une sorte d'étape intermédiaire. Il y a une sorte de pacte qui a été mis en place, mais pas dans la physicalité 3D et pas en phase d'inter ou incarnation, entre deux incarnations. On va aller voir où c'est. Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Dis-moi où ça te mène. C'est dans la cinquième dimension. D'accord. C'est elle incarnée dans la cinquième dimension. À quoi elle ressemble là? Elle est humanoïde, fine, légère, très vive, beaucoup de fluidité et de son énergie est très fine et très légère. Beaucoup de fluidité. Et de vitesse aussi, de vivacité dans son énergie. Elle est à polarité féminine, des grands cheveux qui ondulent jusqu'à la taille. Donc elle est en 5D sur la Terre, dans l'espace terrestre. Oui. Elle ressemble à quoi alors, en plus d'être humanoïde? Elle est habillée d'une sorte de combinaison. Qui est légèrement brillante, resserrée à la taille, et au niveau de la taille, une sorte de ceinture avec des cristaux, mais ce n'est pas décoratif. Ils ont une fonction de stabilisation, ils émettent un champ d'énergie. Ok. Ouais, c'est ça, ça vient calmer et stabiliser. Ils ont cette fonction-là. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait dans cette existence alors? C'est quoi son occupation, ses fonctions? C'est plus que ça, ils ont une fonction de régénération aussi, ces cristaux. C'est comme si elle faisait des allers-retours. Et entre deux allers-retours, elle active ces cristaux justement pour entrer en phase de régénération.
D'accord, mais des allers-retours d'où à où? Elle change de dimension, elle entre dans une sorte de caisson. Et de ce caisson-là, il y a des changements dimensionnels qui se produisent. À la fois, elle est toujours là et à la fois, elle n'est plus là. D'accord. Ça la Ok. fatigue beaucoup. D'où ce besoin de régénération à chaque retour. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait alors de changer de dimension? C'est quoi son objectif? Attends, j'arrive pas à déterminer si c'est des voyages interdimensionnels ou si c'est des voyages dans le temps ou si c'est les deux en même temps. Parce que à l'intérieur du caisson, quand elle n'est pas là, elle n'y est plus effectivement, c'est-à-dire qu'elle disparaît. Et Et quand oui, elle c'est. réapparaît, il y a cette grande fatigue et ce besoin de régénération. D'accord, donc c'est une technologie extraterrestre. C'est une technologie tout court, elle n'est ni terrestre ni extraterrestre, elle est là, présente. D'accord, donc elle est de l'espace terrestre, alors, là, Oui, dans cette forme d'existence. c'est ça? Elle ne vient pas d'ailleurs. Non. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle change de dimension ou de d'espace-temps alors? C'est pour faire quoi? Elle cherche à modifier les lignes de temps, elle fait des allers-retours. Et ça lui sert à quoi de modifier les lignes de temps? Pour éviter des lignes de probabilité. Tu parles pour les... Pour l'humanité, c'est-à-dire Pour que l'humanité? c'est un petit peu comme ce qui apparaît comme image, c'est des rails de chemin de fer. Sauf que ce n'est pas en deux dimensions comme les rails de chemin de fer. Elle va intervenir, c'est une sorte d'aiguilleuse du ciel ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'elle va directement avoir un impact sur les croisements et les directions de ces lignes de temps Et ça, elle le fait. par ces allées et retours successifs via cette technologie-là. Et elle le fait pour l'humanité, pour les humains. Je ne sais pas si c'est pour l'humanité. Total, mais en tout cas pour le groupe duquel elle fait partie. Pour son groupe, d'accord. Et pourquoi est-ce qu'elle cherche à changer de ligne de temps alors? Qu'est-ce qu'elle cherche à éviter pour son groupe? La disparition. Ah, pour éviter la disparition, parce qu'il y a une menace. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une menace de disparition? Si les lignes de temps ne vont pas dans la bonne direction, leur groupe humain risque de disparaître. J'utilise le mot humain parce que c'est une humaine, simplement. Humanoïde, quoi. D'accord, humanoïde en 5e D. Oui. Très bien, alors qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis de cette entité alors? Donc on est arrivé là pour voir les accords, le pacte qui a eu lieu. Va à ce moment-là, regarde ce qui se passe. Elle est allée créer des accords dans ce que nous appelons le passé. Pourquoi faire? Pour que la probabilité des croisements de lignes de temps aille dans la direction souhaitée par elle. Ou plus exactement par son groupe. C'est une sorte d'ambassadrice ou de porte-parole de son groupe. Et donc elle s'est adressée à ces sortes de pieuvres, Oui. enfin de poulpes, je ne sais plus, parce qu'ils ont cette capacité de faire ce qu'elle attendait. Ils interviennent directement sur les lignes de temps. Pour ces entités-là, les lignes de temps, ce sont comme des écheveaux de fil. C'est comme un jeu de cartes que l'on bat, que l'on rebat, que l'on coupe, etc. Eux sont dans ce type d'activité-là. D'accord. Donc elle est allée négocier en quelque sorte avec ces entités-là. Alors, quel a été le terme de leurs accords alors? C'est contre quoi elle a négocié? Qu'elle reste
pour un temps donné à leur disposition en troisième dimension. Ah, c'est pour ça qu'il y a cette sorte de cadran d'horloge qu'elle a au niveau du plexus solaire. D'accord. Ça correspond directement à l'accord, au pacte qui a été fait avec ces entités-là. Donc le temps s'écoule par ce, en tout cas est mesuré par ce dispositif-là, comme une sorte de Alors, compte à rebours. quel temps ils ont déterminé alors dans leur accord? Ça se compte en termes d'incarnation ou... Ça se compte en termes d'incarnation. Il y a 40 incarnations. L'accord Elle en pour est 40 incarnations. 40 incarnations et elle n'en a fait que 15. Oui. D'accord. Et donc contre leur compétence à donc modifier les lignes de temps. Tout ça pour son peuple. Oui. Mais Alors. ces 40 incarnations ne sont pas semblent être ça ne semble pas être beaucoup de son point de vue initial. C'est comme un battement de paupières. Bien sûr. Ok. Alors, dans leur accord, est-ce que eux, ils ont respecté leur accord? Pour l'instant, elle est toujours sous leur coupe. Et Ouais. c'est quand elle aura terminé le cycle que eux. C'est comme quand tu payes en plusieurs fois. C'est-à-dire que eux ont commencé à débloquer certains aiguillages, mais ils attendent la fin du cycle d'incarnation convenu dans le pacte pour débloquer complètement le restant des aiguillages dans la direction qui a été négociée. D'accord. Et dans ce qu'ils ont débloqué, est-ce que ça a été utile pour les siens? Ça n'est pas fait encore. Ah, donc elle paye à l'avance alors. C'est ça. D'accord. Et alors, si tu vas dans le futur, regarde le moment où les 40 incarnations sont accomplies, regarde ce qui se passe. Est-ce qu'ils tiennent leur accord ou est-ce qu'il y a un marché de dupes? Il n'y a rien qui a bougé. Il n'y a rien qui a bougé. Très bien. Et eux, pour l'instant, se sont nourris. Oui. Très bien. Alors montre-lui toutes ces informations, qu'elle voit cette ligne future, donc au terme des accords, et qu'elle voit ce qui se passe par rapport à ce qui a été négocié et promis. Oui. Comment est-ce qu'elle réagit? Il y a de la colère qui est là, de la révolte. Mais elle est dans cette incapacité de pouvoir modifier la situation. Pour l'instant, Prise au piège. simplement, l'important c'est qu'elle prenne conscience de cela. Très bien. Alors, si tu reviens ici maintenant, donc est-ce que tu vois d'autres choses? Si tu continues à la scanner, est-ce que tu vois des choses ou des informations qui n'ont pas été vues? Non. Très bien. Alors, regarde son ADN. Confirme-moi qu'il s'agit bien d'elle. Regarde s'il y a une part d'ADN qui ne lui appartient pas ou des informations qui ne sont pas de son essence. Non, c'est elle. C'est elle. Demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Bien. Alors avant de commencer vraiment, j'aimerais que tu ailles voir, avant qu'elle soit entrée dans cette matrice, je veux savoir sous quelle forme elle est et d'où elle vient. Donc avant cette matrice. 1, 2, 3. Elle est en préparation. Elle est en préparation. Elle est en phase d'approche de la matrice artificielle. Elle est en préparation à entrer, à traverser les couches, D'accord, quelle pour forme elle a pénétrer dans la alors? matrice artificielle. Elle a quelle forme et quoi elle ressemble?
Humanoïde, toujours avec ce même type de couleur, mais là, ça tire plus vers le violet. Violet et blanc. Et elle est dans un vaisseau qui s'en forme de goutte d'eau. C'est un peu bizarre. Et ce vaisseau réagit. C'est comme si le vaisseau était relié à elle directement. Il réagit à son état d'esprit, à sa volonté, à ses pensées, à ses émotions. Est-ce que c'est plutôt un vaisseau qu'elle a construit avec ses propres énergies, genre corps de Merkaba? Il y a de la technologie aussi. Technologie qui aide. Oui. D'accord, ok. Et d'où est-ce qu'elle vient alors? En remontant en arrière-plan, il y a la constellation des Pléiades. Ah, des Pléiades. Ok, elle est en quelle dimension? Septième. Bien. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle soit dans ce projet d'entrer dans la fausse matrice alors? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'en rapproche et qu'elle y pénétrit? Elle s'en approche parce qu'elle a participé. Elle a participé à la mise en place, à l'éclosion de vie. C'est comme s'il y avait eu le lancer dans l'espace on va dire, de nurseries qui sont envoyées et enfin qui ont été envoyées et déposées dans l'espace terrestre. Mais au tout début de l'humanité. D'accord, de l'orserie d'humain, tu veux dire? De conscience qui vont devenir des humains. D'accord. Donc elle a participé à ce projet-là. Il y a eu toute une phase d'attente, mais qui pour nous se mesure en milliers d'années. Et là, il est temps de revenir voir comment est l'évolution, qu'est-ce qu'il en est. Donc, l'évolution de l'humanité aujourd'hui. Oui. D'accord. Et donc, son projet, c'est d'entrer dans la matrice, de venir s'incarner. C'est quoi son projet? C'est de entrer dans la matrice, mais de rester au niveau 6D et 5D pour être en phase d'observation, c'est-à-dire ça lui permet d'observer sans être aspiré. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé après pour qu'elle se retrouve incarnée? Mais c'est ce qui a été vu précédemment, c'est-à-dire qu'une fois donc, il y a eu plusieurs incarnations en 6D et en 5D. Et là, c'est là où elle s'est rendue compte qu'il y avait ces lignes de temps qui pouvaient amener à la disparition de ce qu'elle avait créé il y a, ou contribué à créer il y a plusieurs milliers d'années. Donc, du coup, elle n'est pas terrestre, effectivement. Elle vient des Pléiades. C'est ça. Donc, c'est là où elle a entrepris. Par cette technologie-là de voyage d'espace-temps, mais au sein même de l'espace terrestre, pour aller changer les lignes de temps dans ce qui est pour elle son passé et ce qui l'a amené à faire ce pacte avec ces entités-là. Ok. Et au moment où elle a fait des accords, des pactes, ce pacte avec ces entités, de quelle manière elle les voyait? Comment elles se sont montrées à leurs yeux? Telles qu'elles sont. C'est-à-dire en termes de pieuvre, Oui. de poulpe, c'est ça? Oui. Ok. Bien. Alors, reviens ici maintenant. Oui. Voilà, donc elle a toutes les informations, hein, donc elle sait à qui elle a affaire et elle se rend compte du marché de dupes. Elle se voit qu'à Oui. terme, elle se fait avoir, on est d'accord. Oui. Très bien. Donc elle a accepté que nous l'aidions. Donc en son nom, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non. Elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles sont toutes apparentes. 1, 2, 3.
Oui. Bien. Alors, en plus de ces entités-là, qui vois-tu d'autre? Il y a des entités grimaçantes en arrière-plan, mais alors grimaçantes telles que je les perçois, mais c'est leur forme de rire, c'est-à-dire qu'elles s'amusent de la situation. C'est des entités de type démoniaque. D'accord. Ok. Il y a aussi des. Alors, ça a la même apparence, mais pas les mêmes fréquences. Des sortes de parasites, des sortes de vers qui sont au niveau de son système digestif. Donc c'est allongé et transparent et ça ressemble aux tentacules de ces sortes de méduses, mais ça n'a pas la même fréquence. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème, ça? Ça crée une sorte de vide. Elle a besoin de se remplir. De Une sorte manger. de vide d'énergie, oui. Qu'est-ce que tu vas d'autre alors? En arrière-plan, les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent jusqu'au plan archontique. Bien. Alors, elle va dire à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permissions, serments, allégeances, alliances, promesses, accords, tacites ou non, conscients ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toute ligne de temps, toute fréquence, toute dimension, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les différents états de conscience, dans tous les plis et replis des espaces-temps, en fait, dans tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues. Jusqu'au plan archaïque, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie et conscience d'origine vu et pas vu, disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal et autres inconnus. Je compte à 3 et tout disparaît. 1, 2, 3. Oui. Bien. Donc on la met dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des raids Shishin jusqu'au cœur de Gaïa et elle inspire énergie, substance, vitalité. Oui. Elle se connecte à son essence et fait descendre information originelle, puissance, créatrice bien sûr, conscience, amour, énergie. Oui. Elle se requinque, se ravigore, reprend de la conscience. Ça se souvient de qui elle est en essence? Oui. Comment la vois-tu maintenant? C'est plus clair et plus lumineux dans son espace énergétique et ça s'est stabilisé. Bien. Maintenant, scanne-la, regarde si tu vois quelque chose ou quelqu'un encore à l'intérieur, sur et autour d'elle, et dans toutes les fréquences. Non, il n'y a plus rien. Bien, regarde en termes de d'écho, résonance et réminiscence. Il n'y a plus rien, mais cette bulle autour d'elle a disparu aussi, il n'y a plus rien. Parfait. Bien, alors on va regarder maintenant son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quel état il est. Il est sur le plan moronciel, en attente. Qu'est-ce qui l'attend? Il attend, il observe, neutre. Il attend la suite de l'aventure, c'est ça, le déroulement? T'es là? Emmanuel? Voilà, donc nous en étions au sens supérieur dans l'espace moronciel. Donc tu m'as dit qu'il attendait. Il est en attente. En attente de quoi, alors? De la suite des événements, c'est ça? Oui. Bien. Comment tu vois son âme? Elle est emprisonnée dans une sorte de filet, immobilisée. D'accord. C'est les mêmes entités qui l'ont mise dans cet état. Oui, elles l'ont neutralisée. D'accord. Ça faisait partie de leur accord, ça? Non. Laquelle en prenne note aussi. Bien. Comment tu vois sa partie subliminale?
Elles n'ont pas réussi à neutraliser la partie subliminale, mais elles empêchent la communication directe de la partie subliminale avec la partie physique, en l'empêchant de communiquer. Il y a comme une sorte d'écran de fumée entre la partie subliminale et la partie physique. Bien. Alors, on va demander au sort supérieur s'il est adéquat que nous partions donc directement du plan mouvementiel pour créer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à tout son potentiel intérieur et à l'amour qu'elle est. Oui. Alors, on y va. 1, 2, 3. Oui. Donc, elle sait pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Séverine pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à tout son potentiel intérieur et à l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors on y va en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par les conditions de la fausse matrice. 1, 2, 3. Oui. Bien. À présent, demande-lui sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, quels sont ses projets pour la vie de Séverine? Rayonner comme un soleil dans toute son humanité. Il y a vraiment cette image de rayonnement, de chaleur, de lumière solaire. Être comme Oui. un centre d'énergie qui rayonne Et ça va permettre quoi? et qui vient éclairer comme une sorte de phare au milieu de la nuit et qui contribue à élever le fait d'être dans cet état fréquentiel-là contribue à élever les fréquences de l'humanité. Ok. Quel moment elle choisit d'entrer dans sa physicalité à 100%? Au moment de la conception. Quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à son essence? 99%. Alors elle monte à 100%. Oui. Maintenant elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Bien. Alors maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Je veux que tu regardes s'il y a des programmations limitantes, s'il y a des dysfonctions, etc. Les anomalies. Il y a quelque chose d'affaibli, d'atténué dans la lignée concernant sa vitalité. D'accord. C'est pour que les consciences incarnées sur cette lignée ne puissent pas réagir et restent sous contrôle. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils ont programmées à part la baisse de vitalité? Non, c'est tout, il n'y a que ça de programmé. Bien. Très bien. C'est ce qui donne aussi ce qui permet donc les interférences et ce qui provoque des maladies pour chacun. Oui, parce que ça baisse le taux d'énergie vitale et ça crée comme une sorte de paralysie qui empêche une sorte de paralysie de soumission qui empêche la rébellion. D'accord. Demandez à la conscience de son arbre si nous pouvons intervenir sur lui. Oui. Très bien. Alors, donc, de quelle manière s'y sont pris pour programmer la baisse de vitalité, diminuer la baisse de vitalité pour l'arbre, pour l'aligner? Qu'est-ce qu'ils Par ont fait exactement? une sorte de torsion, de phénomène de torsion Torsion de quoi? de l'arbre lui-même. D'accord. Ok. Alors on va aller à ce moment-là, juste un petit peu avant qu'ait lieu cette torsion. Oui. Voilà. Donc tu vas montrer à l'arbre ce qui va se passer dans son futur. Et donc tu lui proposes de trouver une solution pour que cet événement n'ait pas lieu, qu'il trouve des ressources intérieures.
Oui, il y a un apport d'énergie vitale qu'on pourrait comparer à un apport de sève, de fluide vital extrêmement important et qui s'expanse vers l'extérieur. Ça crée comme une sorte de bouclier protecteur. Très bien. Alors, en plus de ça, on va connecter l'arbre à la source et regarde ce qui se passe. Ça n'est plus possible d'intervenir dessus, parce que tout glisse dessus. Bien. Il Alors, regarde maintenant. vibre à des fréquences élevées et toute tentative d'intervention glisse dessus sans arriver à s'accrocher. Bien, ça le rend impossible. Parfait. Regarde l'impact que ça a maintenant sur Séverine et sa descendance. Ça augmente le taux de vitalité. Ça crée une expansion de conscience aussi. Et ça fait monter les fréquences. Parfait. Alors, elle va enrouler son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Bien, à présent, que décide-t-elle de faire pour cet arbre? Est-ce qu'elle veut le couper entièrement ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le coupe à 35% environ et pour les parties restantes, elle réinforme et réaménage. Tu me diras quand c'est fait. C'est fait. Bien, maintenant, son ADN. Que décide-t-elle de faire? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf, partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors on élimine l'ancien avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adaptée compte tenu de ses projets d'incarnation. Oui. Bien. Combien est-ce que tu vois d'hélices? Il y en a 6 de connectés et 4 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui, elle ajoute de nouveaux programmes qui sont en liaison les uns avec les autres. Elle vient les enrichir et les adapter à ses fréquences. Tu me diras quand c'est bon. C'est fait. Quelle différence ça va faire pour elle alors? Ça apporte une stabilité et une force dans la nature de son énergie. Donc, ça lui permet de se déplacer et de se déployer et ouais, de déplacer son énergie avec de la puissance. Ça lui permet de déployer de la puissance. Très bien. Alors maintenant, on va éliminer les programmes archontiques. Elle est d'accord avec ça? Oui. Donc tous les programmes de limitation, de séparation, de dualité, etc. Tout ce qui limite l'expression, l'expérience et la carrière humaine. Donc on élimine sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. On stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Parfait. Alors maintenant, elle va remonter sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à son essence? 83%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines. Oui. Et maintenant, elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel et dans l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, sa souveraineté, c'est déjà dit, sa puissance intérieure créatrice, donc sa créativité illimitée et l'amour qu'elle est.
Et je me répète. C'est bon. Bien. Alors, elle va enrouler cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes et d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Et maintenant, nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, dépassés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et autres inconnus. Elle déclare pour cela que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes, échos, résonances, réminiscences, système duplicatif et repositif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Donc, je propose à Séverine d'être pleinement participative et attentive à tout le processus, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter l'intégration. Et comme d'habitude, je propose aux personnes qui assistent à cette séance d'en profiter pour elles-mêmes, puisque ça peut aussi agir pour elles, en dehors de l'histoire propre à Séverine, évidemment. Donc, rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archaïques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, et les lois de conséquentialité, donc dans les mêmes conditions que celles précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous allons annuler les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des parties ou des copies d'elles quelque part. Non, il n'a pas. Alors, on intègre tout ça dans tous les différents états de conscience. Oui. Elle déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons travailler la partie psychologique. Donc, si tout ne concerne pas Séverine, tout y est proposé. Elle déclare, je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui.
Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le « je » dans la forme n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. » Oui. « Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé. » D'équilibre, d'abondance, d'amour, etc. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement co-créatrice de mes bulles de réalité, donc responsable. Oui. Maintenant, le protocole du pardon. Elle déclare « De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. » Oui. « Je me pardonne totalement en tout et pour tout. » Oui. « Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales et autres inconnus, et dans toutes les vies. » Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et que j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. Maintenant, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité, et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archaïques ou quelque autre moyen de la repérer. Non, il n'y en a pas. Parfait. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement, donc jusqu'au plan physique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté ? Ah, c'est une forme humaine. Il est en train de créer les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Très bien. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait.
Elle demande à son élément de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, etc. Guérison de tous ses corps, systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Donc on stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. On stabilise et sécurise tout ça. C'est fait. Installer un programme anti-ondes et fréquences nocives avec les couches supplémentaires. Oui. Un programme contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un programme contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un autre contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle. Oui. Un programme contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui, c'est fait. Un autre programme contre les vaccins, quelle que soit la version. Oui. Et un programme contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. Oui. Nous programmons tous ces programmes pour être stables et indestructibles. Oui. Adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes de temps. Oui. Bien. Maintenant, elle installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. C'est fait. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double lémiscate activé. Oui. Elle crée son code de vie et l'active également. Oui. À présent, nous allons travailler sur l'atlas, donc tu sécurises, pardon, hein. C'est fait. Nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, etc. sur tous les plans, comme précité pour chacune des parties. 1, 2, 3. Oui. Je veux qu'elle soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. À toi de jouer. Elle déploie une sorte de ruban irisé tout autour d'elle et ça s'expanse et ça vient former une forme d'œuf tout autour d'elle, un espace à haute fréquence. Elle se place à l'intérieur. Là, elle déplace doucement son atlas. Ça vient le dégager et ça libère cette onde puissante qui passe tout le long de la colonne vertébrale de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinformer, réinitialiser chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles dépendent. Cette onde augmente en puissance au fur et à mesure de sa descente, arrivée à la hauteur du coccyx. Elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses, sombres. C'est des mémoires compressées, des traumatismes. C'est fait.
Alors, elle enroule sa colonne vertébrale d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source jusqu'au chakra coronal. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux, desquels il va travailler pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il va procéder par annule et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, etc. sur tous les plans, comme précité pour chacun des systèmes. 1, 2, 3. Oui. Que chacun soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et que chacun soit connecté au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à l'essence. Oui. Système cérébro-spinal. Oui. Nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glande, immunitaire, hormonale. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation et élimination. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules de la peau et tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, nous éliminons toutes les programmations sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécuriser et activer. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui, c'est fait. Système bio-électrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux, organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Et que chacun soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. C'est fait. À présent, c'est l'ostéopathie générale, au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason lumineux, c'est pétillant et étincelant. Elle va y accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça crée des micro-mouvements dans tout le corps jusqu'au cœur des cellules. Dans tous ces systèmes, organes, dans tous ces tissus, dans tout ce qui est système lymphatique, sanguin, les muscles, les tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. Ça vient libérer des tensions et mettre en place de nouveaux équilibres. Tout vient se rééquilibrer différemment, plus stable. C'est bon. Micro-kiné. Elle vient actionner les points de concordance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est bon. Massage métamorphique. Elle vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie vitale qui est là toujours disponible. C'est fait. On sécurise l'ensemble. Oui. À présent, le système des chakras et les glandes associées. Je veux tout d'abord que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui.
que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activé. Oui. Chakra secondaire idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 8 activés. C'est bon. Centrage, alignement et sécurisation. Oui. Parfait. À présent, on travaille sur le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. Bien. Elle rééquilibre la polarité avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Bien. Alors, nous allons donc, pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Alors, bien sûr, il s'agit de l'ancienne ligne de temps pour obtenir des compréhensions et affiner le travail. Mmh. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà traiter la biologie, puisque c'est surtout de la biologie. Donc, on traite toute sa biologie, dans tout ce qui a été vu et pas vu, dit et pas dit. D'accord ? Tous les dysfonctionnements, tout ce qui n'est pas sain, etc. Tout est traité. Donc, mm-hmm. Nous allons chercher toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, donc traumatisme, habitude de fonctionnement et autres. Oui. Bien. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3 pour chacun. C'est fait. Bien. Maintenant que chacune des parties soit réinformée et stabilisée. Oui. Connectée au chakra cardiaque pour sa force de vie et amour. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance et vitalité. Oui. Et à l'essence pour recevoir énergie, conscience, donc information originelle, amour, etc. Oui. Bien. Alors, donc on va stabiliser, sécuriser, pérenniser tout ça. Oui, c'est fait. Donc maintenant dans le détail, donc elle est sujette au vertige depuis 8 ans, voilà, avec ses yeux qui tournent, comme elle dit. Donc regarde, à part ce que tu as vu, est-ce que tu vois d'autres causes? Non, c'est ce qui a été vu tout à l'heure. Mmh. C'est les dispositifs et les actions exercées sur ces dispositifs qui génèrent ces effets-là dans le physique. Ce ne sont que des conséquences. Bien. Alors, avec ce qui a été fait, est-ce que tu vois que les choses se sont rétablies? Est-ce que tu vois quelque chose? Il faut qu'elle fasse un apport d'énergie vitale et de la réinformation. Allons-y. Et on stabilise derrière. Oui, c'est fait. Très bien. Regarde maintenant son système visuel, son système auditif, comment tu les vois. Et puis bien sûr, tout le système neuronal qui va avec, et le système nerveux, et tout ce qui en découle. Ça, c'est équilibré, stabilisé. Maintenant, l'énergie circule de façon régulière. Il n'y a plus de pression. Il n'y a plus cette pression d'échauffement. Ça s'est refroidi et équilibré. Très bien. Que son élémental lui envoie une énergie rafraîchissante de détente dans tous les systèmes, ORL, visuel, etc. Oui, c'est fait. Voilà, et on stabilise, pérennise tout ça. Oui. Alors, au niveau de la gorge, elle a des nodules. Regarde d'où ça vient. Ah, ce qui vient, c'est que c'est lié à... On parlait d'échauffement, mais c'est lié à ça aussi. C'est une réaction de l'élémental du corps, mmh.
qui vient bloquer, qui tente de bloquer ces circuits d'énergie artificielle qui sont de nature coupante et piquante et qui la traverse et qui passe au travers du chakra de la gorge et de toute cette zone-là. Donc il y a un effet de repousser ces énergies-là. Et un petit peu comme le corps met en place le système de la fièvre, là c'est un peu le même principe. Il y a un système de, on va dire, d'inflammation et de gonflement qui se produit. D'accord, qu'on peut repousser donc ces énergies. C'est ça. Bien. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois que il reste quelque chose maintenant? Il n'y a plus rien, il n'y a plus de traumatisme, il n'y a plus de mémoire. Il n'y a plus rien. Il y a de Écho-résonance. la écho et résonance non plus. Mais c'est comme s'il fallait stabiliser, insister sur la stabilisation de l'énergie calmante et rafraîchissante. Bien. Est-ce que tu vois une habitude de fonctionnement éventuellement, puisqu'il a mis le système de défense en place, est-ce il en a fait une habitude? Oui, il n'est plus en fonctionnement là sur cette ligne de temps, mais il est toujours là. Ok, il est présent où? Au niveau de la gorge. Bien, on élimine alors sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. Donc on va réinformer, stabiliser. Oui. Voilà. On va demander à son élémental de procéder, d'agir directement sur la partie physique pour accélérer le processus et dissoudre donc ces nodules qui ne lui sont plus nécessaires. Oui, c'est fait. Voilà. On stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Parfait. Alors, elle a très mal au bas du dos, donc voilà. En fin de journée, elle a même du mal à marcher, mal aux jambes, etc. Regarde à quoi c'est dû alors. C'est ce qui a été vu tout à l'heure, parce que la connexion artificielle à la Terre vient se superposer à sa connexion naturelle qui doit lutter, elle, pour s'imposer. Donc, il y a une déperdition d'énergie, parce qu'il y a deux énergies l'une contre l'autre, la naturelle et l'artificielle. Bien, sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? Il y a des habitudes de fonctionnement, de réaction, de lutte, de résistance. Elles sont inscrites où? Au cœur de ces cellules, dans le système nerveux central et dans le système neuronal. Ok, alors on élimine partout où ça se trouve. 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui. Que chacune des parties soit réinformée, stabilisée. Oui. Connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Bien, maintenant, on regarde au niveau du dos et au niveau de ses jambes, etc. On peut demander à son élémental d'intervenir directement et de faire en sorte que tout le bien-être soit rétabli. Ah oui, il y a une énergie légère, comme une sorte d'énergie de flottement, de légèreté, qui est soutenue par une, comme si ça pétillait, une sorte de pétillance, et ça vient alléger toute la physicalité. Très bien. Donc, il a fait toute la colonne vertébrale, puisqu'il y a aussi le milieu du dos jusqu'en haut, où Oui. souvent elle sujette à des torticolis, des vertèbres qui se coincent. Est-ce que tout ça maintenant est dans la fluidité et est-ce que Oui, tu as trouvé ça a déjà été travaillé, donc là, ça n'est une confirmation, une vérification, une stabilisation du Bien. travail. Très bien. Alors, elle aimerait arrêter de fumer puisqu'elle fume. Donc, non, elle a arrêté de fumer, pardon, et maintenant elle grossit. Donc, bien sûr, il y a ce parasite que tu as vu qui provoquait ce sentiment, cette sensation de vide.
qui donnait envie de se remplir, mais est-ce que tu vois d'autres causes? Oui, c'est pour rétablir l'équilibre. C'est comme pour peser dans la balance de l'autre côté pour rétablir l'équilibre entre la partie haute et la partie basse. D'accord. Donc maintenant, est-ce que tu vois que tout est revenu dans l'ordre? Maintenant, la balance est à l'équilibre, oui. Est-ce qu'il reste quelque chose, trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, habitude de fonctionnement, traumatisme? Il reste des habitudes de fonctionnement et des résonances. Alors on élimine tout ça partout où ça se trouve, sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Chacune des parties est réinformée, stabilisée. Oui. Connectée au chakra cardiaque, au cœur des guerres et à l'essence. Oui. Son élémental envoie de l'énergie et de la vitalité pour chacune des parties qui en ont besoin. Oui. On stabilise, sécurise, pérennise. Oui, c'est fait. Voilà. Regarde maintenant si tu vois une programmation quelque part qui donnerait encore envie de manger, on va dire, démesurément. Non, il n'y a plus rien. Est-ce qu'elle aurait encore des raisons de prendre du poids? Non. Regarde ton système circulatoire, sanguin, lymphatique, énergétique. Ça s'est régularisé et équilibré. Son système digestif et métabolique. Pareil. Bien. Parfait. Alors, elle a une addiction au sucre. Regarde d'où vient cette addiction. C'est directement relié à ces parasites. Les Très bien. parasites énergétiques et qui viennent, eux sont friands de ce sucre ou de l'énergie produite par ce sucre. C'est une sorte Bien. d'énergie qui est à la fois vide et brûlante. Donc ils sont en appel, ils se placent là en appel pour en avoir encore plus. D'accord. Donc il provoque l'envie, bien sûr, le besoin. Oui. Alors, sur cette nouvelle de temps, est-ce que tu vois que tout ça est résolu? Est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose? C'est neutre puisqu'il n'y a plus ces parasites-là. Ah, ils restent comme des. C'est des sortes de résonances, des résonances de leur présence, ils restent. Bien, alors on les élimine partout où ils se trouvent, sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Regarde s'il reste des habitudes de fonctionnement. Oui. Alors, ça se situe où dans le système neuronal, système nerveux, système digestif, système cellulaire. Il y en a dans le pancréas, au fond de la gorge, dans les cellules de goût situées dans la bouche. Il y en a dans le système nerveux central et dans le système neuronal. Parfait. Alors on élimine tout ça partout où ça se trouve. 1, 2, 3. Oui. Elle va remplacer ses sensations par une sensation de bien-être, de complétude et de plénitude. Oui. Très bien. Et en même temps une sensation de légèreté. Elle programme son corps maintenant pour reprendre un poids normal, le poids idéal pour elle. Que toutes ses cellules se programment, tous ses organes, tous ses systèmes. Ce programme pour maintenant mettre en place ce qui est nécessaire pour l'élimination et l'amaigrissement. Oui, c'est fait. Très bien. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle s'éparpille, qu'elle ne finit jamais ce qu'elle commence? Regarde à quoi c'était dû. C'est parce que tout son être sent qu'il y a quelque chose d'autre à régler en amont et que tout ce qui est intérêt par tout ce quoi est intéressé par le mental sur le plan physique, c'est considéré comme étant de la distraction
parce qu'il y a autre chose en amont à régler. Et de quoi tu parles là? Qu'est-ce qui t'a réglé en amont? De sa situation énergétique, et c'était directement relié à cette sorte de cadran situé au niveau de son plexus solaire, mais par rapport au pacte qu'elle avait fait et à ses incarnations qui s'écoulaient. Bien. Est-ce qu'il reste des résonances de ce cadran ou pas? Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bon, allez, d'accord. Très bien. Alors, on va regarder on va regarder son corps mental. Je veux que tu vois toutes les programmations limitantes avec les croyances qui en découlent. Il y a des programmations d'obligation. L'obligation de rester dans le rang, d'obéir, de se soumettre et de rester dans la place qui lui est imposée, aussi bien dans la société qu'au niveau familial, qu'au niveau comportement. Quelles sont les croyances qu'elle a développées à partir de ça? C'est comme une sorte de boîte, en fait, qui vient cadrer et comprimer. Qu'elle ne peut pas sortir de ce cadre-là, de cette boîte-là. Parce que si elle fait mine d'en sortir, il y a la menace de la sanction. Il y a une sorte d'angoisse en arrière-plan de sortir de ce cadre-là, imposé bien par l'éducation et par la société, par notre mode de vie. Alors, qu'est-ce que ces autres parties en disent maintenant de cela? Ce ne sont que des conditionnements de soumission. C'est des conditionnements de soumission et d'obéissance. Très bien. Alors, regarde maintenant les sentiments et émotions qui sont en lien avec tout ça. Elle ressent de l'insatisfaction, de la frustration, le sentiment d'avoir raté quelque chose, que quelque chose lui échappe, qu'elle est passée à côté de l'essentiel, mais elle n'arrive pas à déterminer quoi. Donc ça crée une sorte d'angoisse latente, d'anxiété et de culpabilité aussi. Et manque d'estime d'elle-même. Ok. Regarde au niveau des 5 blessures qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Dis-moi celles qui sont prédominantes chez elle et comment elles s'expriment. Elle ressent très fortement la trahison, l'humiliation de se trouver dans cette situation-là d'incarnation. Elle se sent... Alors, ce qui vient, c'est le rejet de ses autres frères humains, quelque chose comme ça. Elle se sent abandonnée au milieu d'êtres qui lui ressemblent et dont à la fois elle se ressent totalement différente de par son essence. Donc, ça crée cette sensation. Tu veux dire étrangère ? C'est ça, ça crée cette solution, cette sensation de solitude. De solitude et d'abandon au milieu de la foule, quelque chose comme ça. Elle en ressent de l'injustice. Très bien. Regarde les masques compensatoires qu'elle a revêtus. Elle s'auto-sabote elle-même. C'est-à-dire qu'elle a placé elle-même comme des sortes de remparts rigides de protection, mais qui en même temps l'empêche d'être en expansion de sa propre énergie, de pouvoir s'exprimer, se déployer en harmonie. Donc les remparts qu'elle a créés viennent constituer une sorte de prison intérieure. Donc c'est comme si elle s'était enfermée elle-même, elle s'était auto-sabotée elle-même. Mais ces murs-là de protection lui donnent l'impression au moins de maîtriser. Donc il y avait cette intention de protection, de se protéger et de maîtriser cet espace intérieur à l'intérieur d'elle-même dans lequel elle va se réfugier.
Bien. Alors, je rappelle qu'il s'agit de l'ancienne ligne de temps 1. Alors, ce que nous allons faire, je veux qu'elle prenne maintenant conscience de sa connexion avec son essence, sa source. Et elle fait descendre énergie originelle, conscience, puissance, amour. Oui. Voilà. Et cette puissante énergie qui la touche dans son cœur et dans le cœur de toutes ses cellules, de tous ses corps. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Ça la fait monter tout de suite en fréquence, avec une impression de bien-être et de légèreté. Ça, c'est comme si tout paraissait sans importance, tout est beaucoup plus léger, fluide, facile et agréable. Elle ressent le plaisir d'être là. Que deviennent toutes ces émotions et ces sentiments? Ils se dissipent. Ils deviennent flous, ils se dissipent, ça a beaucoup moins d'importance. Ça s'efface petit à petit. Bien. Et qu'est-ce que vous allez faire ressentir alors? Une sensation de liberté. Il y a une. Elle ressent cette montée de puissance à l'intérieur d'elle-même qui lui donne donc cette sensation de liberté. C'est plaisant, agréable et joyeux. Bien. Alors, je veux qu'elle parte de la source et qu'elle refasse ce processus qu'on appelle habituellement donc la séparation. Je veux savoir maintenant, dans ces nouvelles conditions, comment elle vit cet événement. Maintenant, elle garde l'intention ferme et la volonté farouche de garder présente en elle la mémoire de son essence divine, de ce qu'elle est avant toute manifestation et au cœur de toute manifestation d'elle-même. Qu'est-ce que lui font ressentir toutes ces perspectives qui s'ouvrent à elle? De l'enthousiasme, de la pétillance et de la joie d'expérimenter. Très bien. Alors qu'elle reste en contact avec tout ça et elle le ramène ici et maintenant, dans toute sa physicalité, dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, organes. Elle le ressent comme une souveraineté, une puissance intérieure créatrice illimitée, dans sa liberté, son autonomie, son unité, l'amour qu'elle est. Oui. Elle ressent qu'elle est un être divin dans une expérience humaine parmi d'autres. Oui. Et une puissance, une espèce de puissance tranquille. Oui. À présent, dans son sentiment de légitimité, de valeur intrinsèque et de, on va dire, d'estime de soi, je veux qu'elle repasse par chacune de ses vies, terrestres et les autres, jusqu'à la source, et qu'à chacune d'elles se reprogramme à ce nouveau regard, ses sensations, cet état d'être. Oui. Reviens ici et maintenant. Oui, c'est fait. Donc la boucle est bouclée et on stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Comment tu la vois à présent? Épanouie et rayonnante. Très bien. Alors, les derniers points qu'elle a nommés, c'est les rêves. Alors, le premier rêve, c'est que lorsqu'elle est dans l'espace, donc elle rentre dans un vaisseau et elle y voit des formes linéaires. Regarde, là, qu'est-ce qu'elle a vécu là, précisément? C'est des réminiscences de mémoire. Mais c'est comme une image. Qui est, tu sais, dans les dessins animés où l'image est décomposée pour faire un mouvement, là c'est la même chose. C'est une image décomposée, c'est-à-dire c'est une résonance mémorielle. D'accord, une mémoire de quoi alors? De quand elle était manifestée en cinquième dimension. D'accord. Ok. Et cet autre donc, rêve où elle voit que la Terre qui va ascensionner, qui ascensionne, et qui se trouve happée par une colonne de lumière et aspirée. Elle est en visite d'une ligne de temps. D'accord.
Donc c'était pas un rêve alors. Non, c'est un déplacement. C'est un événement qu'elle a vécu pendant son sommeil. C'est un déplacement de conscience. Pendant son sommeil, il y a une partie d'elle qui se libère et qui voyage. Et les souvenirs de ses voyages reviennent ou pas. Donc celui-ci s'est imprimé comme sur une plaque photographique parce qu'il est relié à une faille émotionnelle. C'est pour ça qu'il a pu s'accrocher et revenir jusqu'à sa conscience physique. D'accord. C'est des mémoires. Ça me ramène, c'est en fait quand elle, c'est des mémoires de voyage, de lignes de temps et de potentialité de lignes de temps qu'elle faisait quand elle faisait ses voyages dans l'espace et dans le temps via cette technologie quand elle était manifestée dans cette cinquième dimension terrestre. Avec cette boîte. D'accord. Très bien. Bon, on va passer maintenant aux invitations. Donc, elle a nommé son mari et son fils, Oui. sa famille en général et les amis auxquels elle pensait. Oui. Très bien. Donc, elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et leur propose d'en profiter pour eux-mêmes. Oui. Est-ce que déjà son mari et son fils sont venus? Oui. Les autres aussi? Oui. Est-ce que tout le monde a choisi de faire le travail? Il y a une certaine inertie. C'est-à-dire qu'ils sont là, présents, et il y a une certaine hésitation. C'est ni oui ni non, quelque chose comme ça. C'est pourquoi pas, mais sans franchir le pas vraiment. Tous, même son fils? Oui, parce qu'il y a une sorte d'effet de groupe, donc ils se copient tous les uns les autres. D'accord, mais il va falloir qu'ils fassent un choix quand même, parce que ou ils en profitent ou non, hein. Alors, qu'elle leur montre bien les informations de ce qu'elle est en train de faire, qu'elle leur montre les résultats futurs, qu'elle leur montre les Il résultats en suffit fin de juste métabolisation. d'un coup de pouce dans la masse de la conscience collective. Ok. De quelle manière tu veux donner un coup de pouce? Il suffit que l'un d'entre eux accepte ce coup de pouce et ça va se transmettre comme une onde à tous les autres. Alors, c'est si on me propose au fils. Et il est d'accord, oui. Très bien. Donc, puisqu'il l'accepte, on va le connecter directement à sa source. Il fait descendre information originelle, amour, puissance créatrice, conscience, et cette puissante énergie qui le traverse jusqu'à son cœur. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Ça le fait monter en fréquence tout de suite. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il décide? Il accepte. Bien. Et alors, comment se positionnent les autres maintenant? Il y a une onde, alors c'est comme un effet domino, mais c'est en termes d'onde. Et les uns après les autres, tous acceptent de faire comme lui. C'est-à-dire la voie est ouverte et il y a acceptation de la suivre. Bien, il est devenu le meneur alors. Pas le meneur, mais c'est comme si Non, mais c'est. la première barrière est tombée, donc le chemin est ouvert et tout le monde peut choisir de venir emprunter cette voie-là. C'était de l'humour. Très bien. Alors, puisqu'ils ont tous maintenant choisi de faire le travail, est-ce que chacun accepte un petit coup de pouce avant de commencer? Oui. Bien. Alors, puisque chacun me donne son consentement, en leur nom, je vais éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archaïque. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie et conscience d'origine. Avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal et autres inconnus.
Chacun va rompre tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, dans tous les plis et replis de l'espace-temps, dans tout ce qui est caché et secret, dans tous les différents états de conscience et dans tout ce qui est connu et inconnu en général. Je compte à trois et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Chacun se met dans un bulle de protection. Se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmée uniquement pour cette existence. Se connecte à son essence, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar donc de ce qu'a fait Séverine jusqu'à présent pour elle-même, adapté bien sûr chacun à sa propre situation. Oui. Et va continuer sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui. Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Bien. Alors maintenant, on va regarder donc son grand-père maternel et sa grand-mère maternelle, qui ne sont plus de ce monde. Regarde où tu les vois et dans quel état ils sont. Son grand-père maternel, il est dans des couches irisées. C'est plutôt lumineux et léger. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle Séverine pense souvent à lui alors qu'elle ne l'a pas connu? Les fréquences dans lesquelles il se trouve actuellement ont une similitude avec celles dans lesquelles elle se trouvait avant les incarnations terrestres en 3D. Donc c'est quelque D'accord. chose auquel elle se raccroche parce que ça lui est familier. Donc il est en 5D, tu veux dire? Alors, il est dans l'astral, mais dans une zone située entre le moyen et le haut astral, et qui est semblable à la 5D. C'est-à-dire, il y a une similitude de fréquence, c'est la même chose. Quelle est la différence alors? C'est que ce n'est pas au même endroit. En termes de matérialisation, l'astral est dans le non physique, alors que la 5D a sa propre physicalité. Très bien. Alors, regarde si son grand-père maternel a besoin d'une aide. Montre-lui, tu peux communiquer avec lui télépathiquement? Oui. Donc, tu lui montres les informations qu'il lise, donc qui nous sommes. Pourquoi on est là et qui nous envoie? Oui, il le perçoit. Demande-lui si. C'est comme s'il nous percevait de loin. Comme Alain. Alain de loin. Ma belle guerre de balle. Très bien. Alors, demande-lui s'il a besoin d'un coup de main. Non. Non, il est bien là, il est dans un état de, on va dire, de flottaison tranquille, et c'est équilibré, il apprécie d'être là. Très bien. Bon, il veut s'exprimer, dire quelque chose avant qu'on le laisse continuer. Il nous observe avec curiosité, mais il n'y a pas de message particulier qui vient. Bien, très bien, on va le saluer et... Il en laisse continuer son chemin. Alors maintenant, la grand-mère maternelle, chère au cœur de Séverine, regarde donc où est-ce que tu la vois et dans quel état. Elle aussi, elle est dans l'astral, mais c'est beaucoup plus mouvementé là où elle se trouve. Il y a des sortes de vagues énergétiques avec des vortex. C'est un petit peu comme si elle était sur un océan en pleine houle. Donc, c'est pas très confortable pour elle, alors. Non, c'est pas confortable. Il y a comme des haut-le-cœurs, manque de repères. C'est inconfortable. Très bien. Donc, pareil, quelle liste qui nous sommes, pourquoi on est là et qui nous envoie. Et demande-lui oui. Si elle veut un coup de main. Oui.
Regarde sa date éthérique, vérifie bien qu'il s'agisse d'elle. Oui, c'est elle. Bien, puisqu'elle accepte un coup de main, on va la connecter directement à sa source. Donc, elle fait descendre énergie, information originelle, puissance créatrice, amour, conscience. Et cette puissante énergie qui descend la traverse jusqu'au cœur. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Il y a cette houle et ce mouvement incessant qui s'arrête, ça se stabilise. Ça devient calme. Mais trop calme. C'est comme si on s'était suspendu dans le temps. Elle est dans un état suspendu dans le temps. À la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'elle doit prendre une décision maintenant de ce qu'elle veut faire. Très bien. Alors, c'est le moment. Donc, on lui pose la question. Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute liberté et en toute souveraineté? Elle veut remonter à la source. Bien. Alors, pour ça, propose-lui de récupérer toutes ses énergies sur le plan terrestre, qu'elle n'y laisse rien. Aussi bien c'est une énergie d'attachement, de dépendance, de possessivité. Et s'il y a des liens toxiques, qu'elle les coupe, tous les liens de dépendance, etc. Oui. Très bien. Donc avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer, dire quelque chose à Séverine? Elle la remercie d'avoir ouvert le sas. De lui avoir permis d'ouvrir le sas. Il y a une énergie de remerciement et d'amour inconditionnel qui passe vers elle, qui vient l'entourer, bien. l'englober, comme une sorte de caresse très subtile. C'est bon. Très bien. Alors nous allons la saluer. Et donc, elle va remonter directement par palier à la source. Oui. Alors, on va revenir sur Séverine. Nous allons couper tous les liens donc, de tous ses prénoms et prénoms avec la fausse matrice. On les coupe et on dissout toutes les racines. 1, 2, 3. Oui. Regarde si elle a des liens toxiques, quels qu'ils soient. Oui. Alors, elles éliminent tous. 1, 2, 3, sur tous les plans, avec les racines. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, des ongles, cheveux, ADN, etc., sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toute fréquence, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps, subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour du corps. 1, 2, 3. Oui. De son espace moronciel, elle récupère toutes ses énergies. C'est fait. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double l'Enlis 4. Activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est le point zéro. C'est fait. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine des jouvences que chacune peut ressentir pleinement. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération. Oui. Et en pleine puissance. Il y a des coupures. Très bien. Donc j'en étais, donc je vais répéter, hein.
programmer et informer la cellule mère, de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque et à l'essence. Oui. Guérison instantanée pour toutes les parties qu'il nécessite. Elle place sa conscience dans l'espace moronciel. Oui. Pour chacune, elle fait descendre énergie, information et code. Oui. Elle installe donc l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double lémniscate activé. Oui. Elle crée son baume de vie régénérant qu'elle enduit partout où c'est nécessaire. C'est fait. Donc à l'intérieur, sur et autour d'elle, bien sûr. Voilà, et tu vas donc le programmer dans la stabilité, l'équilibre et la pérennité. Oui. À présent, on va regarder son ADN. Donc avec ce qui a été fait jusqu'à présent, dis-moi ce que tu vois, combien est-ce que tu vois de, on va dire, des listes de connectées, de présentes, connectées et d'activées. 9 connectées et activées. Très bien. Elle peut en rajouter d'autres. C'est à l'équilibre, là, maintenant. De nouveaux programmes. Elle vient compléter les programmes déjà existants, les adapter et les enrichir. Bien. Quelle différence ça fait pour elle, maintenant? Ça lui permet de déployer sa puissance de rayonnement et de se stabiliser dans l'incarnation. Bien. Alors, elle va enrouler son ADN avec autant de sinusoïdes, d'énergie. Oh là, je suis pas bourré pourtant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Je n'ai pas bu, je promets. Ah oui, c'est fait. Je vais terminer à l'eau fulgurineuse, tu vois. Bien. Donc, on stabilise, sécurise et pérennise. Ah oui. Très bien. Alors à présent, dis-moi combien de temps il faut là pour métaboliser pleinement sa séance. Entre 8 et 12 mois. 8 et 12. Bien. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Des sensations de légèreté et de vitalité aussi. Il y a des pics comme des... mais des pics, mais dans le sens agréable, des pointes de vitalité qui éclosent, qui se mettent en route. Donc au début, c'est comme des sortes de pics légères, et puis ça se déploie comme une fleur qui s'ouvre, et ça crée une sensation de légèreté, mais de légèreté pétillante. Très bien. Alors, est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation? Entre ces moments de pétillance, il y a des moments de sensation de lourdeur, de pesanteur et de découragement aussi. C'est dû à quoi ça? C'est les phases intermédiaires de la métabolisation. Bien. Est-ce que son mental ego y joue un rôle? Oui, c'est les périodes entre deux. C'est-à-dire entre l'avant et ce qui n'est pas encore. D'accord. Bon, on va aller dans le futur. Donc, au moment où la séance est pleinement métabolisée, pleinement réussie et dans sa meilleure version. Je veux que tu me dises comment elle se sent là. Ah là, elle se sent bien. Elle sent qu'elle a toute sa puissance intérieure à sa disposition. Ça vibre, ça pétille, ça rayonne, elle se sent heureuse et joyeuse. Bien, alors qu'elle reste en contact avec tout ça et qu'elle le ramène ici et maintenant, et que toutes ces parties, comme un téléchargement, donc se reprogramment. Son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, ses organes, tous ses corps, etc. Oui. On va stabiliser, sécuriser, pérenniser. Oui.
Et on va dire bien sûr à la partie consciente de rester toujours confiante quoi qu'il se passe. Ne pas se laisser aller au découragement et encore moins au doute. Ce qui retarderait le processus. Bien, alors maintenant on va regarder son domicile. Je veux que tu me dises comment tu le vois. C'est comme s'il était sous influence, le domicile, sous influence de ces entités qui étaient là en arrière-plan. Donc il y a des portes ouvertes sur d'autres dimensions. Donc il y a comme des sortes de courants d'air énergétique qui créent des. C'est comme le phénomène de dépressurisation dans un avion. Ça crée comme des sortes de failles, de baisse de pression énergétique À quoi c'est dû? à son ancienne condition énergétique. Regardez sous-sol, est-ce que tu vois des désordres géobiologiques ou énergétiques? Non, c'est rattaché à Tout sa, est bien. à sa situation énergétique. Ok, donc elle va faire une énorme tornade. Une énorme tornade et elle va tout nettoyer dans tous les coins, sur toutes les fréquences, toutes dimensions. Elle en profite pour faire sur le terrain également. Oui, c'est fait. Très bien, maintenant elle installe partout fleur de vie, plaque Tesla, graine de vie et double lemniscate activée et elle sécurise. Oui. Sur le contour général, donc elle installe un gros diamant qui transmute l'énergie électrique en force de vie. Oui. Tu y as posé une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé et sécurise. Oui. Sur tous les plafonds, un gros boîtier qui filtre l'air et une nanotechnologie Oui. qui produit par ailleurs un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent. Et tu sécurises. Oui. Maintenant, elle remplit tout son espace de sa propre présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle christique de protection, elle également et les autres occupants s'ils le désirent également. Oui, c'est fait. Maintenant, nous allons programmer les protections des différents états de conscience. Et Oui. sécuriser, bien sûr. C'est fait. On relie le début et la fin de la séance et on sécurise. Oui. Nous créons une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de métabolisation complète et réussie et dans sa meilleure version. Oui. Donc les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent et irradient. Oui. À l'intérieur, son élémental. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qu'elle peut enrichir à volonté. Oui. Flotte de vie, graine de vie et double lémiscate activée. C'est fait. Et autour, le corps diamantin est donc sécurisé. Oui. Nous allons programmer la sécurisation de toute la phase de métabolisation et de toute la séance, du début jusqu'à la fin pour chacune, donc sur tous les plans, dans tous les espaces-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel, quantique et autres inconnus, que chacune soit sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Maintenant, nous allons demander au soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Alors c'est imagé, mais c'est comme s'il y avait une sorte de cordon ombilical lumineux et qui pulse entre la partie physique et le soi supérieur. Donc c'est sécurisé et puissant et activé. Est-ce qu'il a des conseils ou des choses à dire à sa partie physique? Il y a quelque chose à voir avec le centrage et l'alignement, de garder cet alignement présent par l'intention pour garder cette activation de communication
entre la partie physique et soi supérieur. Bien. Comment tu vois son âme? Elle est libérée. Libérée, il n'y a plus de filet, il n'y a plus de grille autour d'elle. Il n'y a plus ce poids non plus sur elle. Elle est libre et légère, apaisée, transparente. Bien. Et sa partie subliminale? Elle s'est rapprochée de la partie physique, elle s'est énergisée. Elle est en soutien de la partie physique pour garder active ce cordon-là de communication avec le soi supérieur. Très bien. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, et dans cette nouvelle version de Séverine, en ce jour de nouvelle naissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Donc chacun va trouver son portail et sa cascade. Et sous ces taux, deux trios de fréquences composés de sons, de lumière, couleur, énergie, rayon, parfum, géométrie, information originelle, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. Oui. Connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. L'atome mère également. Oui. Particule de lumière mère, idem. Oui. On termine par la touche christique. Or, diamant et bleu. C'est fait. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était sa fréquence avant la séance et quelle est-elle à présent? 58 et maintenant 172. Très bien. Donc, chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Bien. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou. Comment ça va? Bien. Bon. Bien ancré, bien revenu. Oui. Allez, à nous, Séverine. Oui. Oup. Ah, t'as changé. J'ai inversé. Inversé l'image. Attends. C'est bon. Voilà. Eh bien, impressionnant. Tout le long de la séance, j'avais le visage qui chauffait et le bas du dos qui chauffait, là où il y avait des soucis. Enfin, vous êtes fort. Je suis impressionné. C'est super, merci beaucoup. Hein. Et ça t'a parlé, tout ce qui a été vu, rapporté? Alors, mes rêves, j'avais l'impression de les vivre. Donc, par rapport à ce que vous dites, ouais, c'est quand même les sensations, je les avais. Donc, c'était quand même quelque chose de fou, ça. Mais après le reste, non. Enfin, maintenant, les verres, le sucre, merci. Les cochons. Mais non, super, franchement. Vous êtes géniaux. Bon, écoute, on fait de notre mieux. Hein. Il y a toujours mieux, il y a toujours mieux à faire, mais bon. Comme voilà, bien. Bon. En tout cas, donc je te conseille de voir ta vidéo. Hein, oui. Donc, oui. De la voir autant que nécessaire. Et puis, tu sais comment c'est utile. Hein. Ouais, ah, oui, c'est clair. Voilà. Voilà. C'est clair. Donc, j'espère qu'on aura des nouvelles hein, par mail. Bien sûr. Par mail, si tu veux bien. Avec plaisir. Hein, quand tu le voudras. Et voilà, me dire comment les choses se passent, ce qui bouge, ce qui change pour toi. Éventuellement, si tu as des questions aussi, n'hésite oui. pas. D'accord. Je réponds quand j'ai le temps, quand je peux. Oui, bah, je comprends. Bien. Donc, merci à toi et merci à Emmanuel. Merci et à vous. Tu m'autorises à publier la vidéo? Oui, c'est bon. Non flouté? Alors, par contre, non, ça, c'est marrant. J'en ai parlé à mon mari et mon fils, du coup, et je m'en réponds. Flouté? Oui, je suis désolée. D'accord. Non, mais écoute, c'est pas grave. Bon, bah, c'est déjà mieux que rien. Hein. Donc, elle paraîtra floutée. Pas de problème. Merci beaucoup, vous êtes super. Merci. Merci, une bonne journée, une bonne soirée. Merci, pardon. Bonne soirée à vous. Au revoir, Séverine. Au revoir.